c'est important pour les enfants de faire une œuvre, de la création, et qui plus est une œuvre collective, tout simplement parce que ça leur permet de leur faire comprendre qu'ils sont capables de créer des choses. On est là parce qu'il y a un festival qui a lieu ici et dans les villes autour, qui s'appelle les Arpenteurs. Et c'est un festival où on a choisi des beaux jardins, des beaux paysages. Et pour attirer les gens à aller voir ces lieux, ces jardins et ces paysages particulièrement jolis, on a proposé à des artistes de venir faire une œuvre. Et nous, on a la chance de faire la 11e œuvre. Dans le cadre d'Arpenteurs, du festival Arpenteurs, l'association Craft a été démarchée pour créer une œuvre collective avec adultes, enfants. On se balade d'établissement en établissement, ça peut être des écoles ou des médiathèques. Et on fait en sorte de faire créer des fanions qui vont décorer un arbre derrière le château de Nieppe. Et donc vous allez faire chacun un ou deux fanions. Et ces fanions, on va tous les regrouper à partir de début juillet. Et on va transformer l'arbre en une immense cabane. Quelle forme vous voulez de fanion ? Lui ? Celui-là ? Hop ! Toi, tu veux quoi ? Ah, comme ça, okay. Ça marche. Hop ! Est-ce que c'est possible de faire un cœur ? Vas-y, essaye. Et celui-là, qu'est-ce que tu préfères ? Ok, hop. Alors, c'est nous qui mettons la peinture ? Parce que... C'est moi qui les gère. Il y a vraiment... De la peinture pour accrocher sur des arbres. Je vais faire un cœur rose avec le coton violet. On a été surpris pas mal de fois par les résultats, alors qu'ils étaient, au début, ils étaient décontenancés face au fait de devoir créer quelque chose, le fameux syndrome de la page blanche. Et en fin de compte, ils s'en sortent vachement bien quand même. Et alors, dis-moi, vas-y, on va aller la trouver. Alors, c'est trop beau. C'est trop beau. Super, bah tu viens. Ouais, il là-haut.